sortir pour aujourd'hui, donc on s'est dit, on va faire une soirée chill. On avait Hitman sous la couverture, mais... Ouais. Et alors, on s'est juste dit, hey, on fait une petite soirée chill. Hugo veut s'améliorer, sachez-le. Il veut s'améliorer sur Smash. Du coup, je lui ai dit, bah écoute, faisons des petites sessions de gameplay. Attends, je vais fermer la porte. De coaching. Non, on le ferme pas parce que Xavier doit me ramener mon sac. Ah. Et voilà, et du coup, si le chat, vous avez également des petits tips pour Hugo qui veut s'améliorer, etc. Voilà, c'est soirée à la cool, chill. Et Hugo veut jouer, comme vous le voyez, Cloud. Ah, voilà. C'est celui que je préfère jouer. Tu as envie de le jouer. Il est dans le studio récap, sur le côté, tu vois, où il y a Rizzo et tout. Enfin, là où je mets mes affaires d'habitude, juste à côté de la télé où il y a le bac. Il y a un bac et c'est un sac en forme de Game Boy. Non. Donc là, j'aurais pu take tout à l'heure, mais j'ai pas fait. Alors, Hugo, qui est impressionnant. C'est le gros connard qui veut trop aider son pote, mais en fait pas du tout. Oh le smash! Mais merde! Mais je m'y attendais pas! Mais comment il fait ça? C'est un démon! Vas-y, viens, qu'est-ce que t'attends? T'as peur de moi? Ah oui. Ah, tu t'y attendais pas à ça non plus, hein! Oh, j'ai take, pas du tout. J'ai take. C'est take. J'ai take. J'ai taken. Hop là, voilà, mange ta mère, ça c'est le pire mon. Exactement, c'est ça, le Xav. Merci. Comme vous pouvez voir, Hugo est très fort. La plupart de ses morts sont de lui-même. Oh, il a tech. J'ai tech là. Oh, j'ai raté. Putain, c'est chiant, Xavi, on voit rien. Par contre, tu me tapes alors que je suis en train de parler. Voilà. Oh, ça c'est bien joué ça. Voilà. Voilà. Et Hugo qui est monstrueux. Mais pas du tout. Non. Allez, blague à part, en vrai Hugo a des petits soucis de recovery. Salut Xavi. Sur le jeu. A tout à l'heure mon ami Xavi. A tout à l'heure Xavi, mon super pote. Il est agréable ce soir Xavi, c'est bizarre. Ouais, c'est pas comme d'hab. Il y a des soirées où il est chiant et insupportable. Bah bien joué ça Hugo. Voilà, vous voyez, en fait Hugo il suffit de ne rien faire et il se suicide. Un véritable plaisir. En plus, bon, il a le match-up. Elle a pas de tech. Pas de tech ici, c'est puni. Donc, on va essayer de lui mettre un maximum de B-side avec Ganon pour lui apprendre à tech. Tant qu'il ne techera pas, il prendra sa mère. Tu t'es retourné, c'était bien joué. Non. Je vais juste mettre en exergue les défauts de ton jeu. De toute façon, moi, comme je t'ai dit. Oui. J'ai pas envie de parler en fait. Juste envie de jouer à Smash et de chill. De chillax. Meilleur coup. Voilà. Donc c'est ce que j'ai dit. Yes. Là il vient juste de se faire 4 stock. Et j'ai rien fait du tout. Donc tu arrêtes de faire des. Non mais ça c'était pour le spectacle. Voilà. Donc là c'est juste pour montrer quel était le problème avec Hugo. On peut. Sur le chat vous avez déjà des solutions pour l'aider. Envoyez vos dons au Téléthon. Oui s'il vous plaît. Donc en gros, bon, en vrai, blague à part, tu veux jouer quoi? Bah moi je suis bien parti sur Cloud, après j'aime bien Ridley. Y a que Cloud, Ridley, bon je vais jouer Ridley, mais Ridley, je trouve que le problème de Ridley c'est qu'il a des movesets qui sortent pas à grand chose, tu vois son babé. Bah tu vois tout à l'heure j'ai regardé des vidéos, en fait il y a moyen de juke. Oui. Mais c'est tout tu vois. Le perso est trash. Mais j'aime bien le jouer en fait, c'est tout. C'est vrai qu'il est agréable. Là. Puis je le trouve super stylé quoi. Là j'aurais pu tech encore. Non. Tech dans les airs. Bah, tu m'as cogné au sol là. Bien joué. Alors, heureusement que je t'ai laissé faire. Parce que... Voilà. Et là, genre, je te chope pas quoi. Je fais des erreurs. Oh là là, je suis naze putain. Et voilà, ça c'est bien, Hugo! Oui, mais c'est parce que j'avais ma limite. J'aurais pas pu rentrer sans ma limite, je pense. Attends, j'ai un peu d'eau. Je sais pas. Donc t'as des... Qu'est-ce que tu comprends pas dans le jeu? Bah... J'arrive... T'as un problème avec les... J'ai du mal à ride. J'ai du mal à ride. Et aussi du mal avec les déplacements, en général. Alors ce qui est pas mal, c'est que déjà tu utilises la dash dance, en fait. Il faut jamais être statique, essayer de toujours bouger. Faut pas après bouger pour rien. Oui, bien sûr. Sinon tu deviens pas visible. Mais il y a un truc que tu fais, enfin toi tu le fais pas souvent pour un débutant sur le jeu, c'est
t'abuses pas des roulades. Ça, c'est le premier truc que les gens font tout le temps, c'est les roulades. Mmh. Ce qui fait qu'ils deviennent totalement. Parce qu'il y a, c'est que si tu fais roulade, tu peux foncer sur moi et choper. Oui. C'est pas non, regarde, en fait, si t'es là, là, mettons en chute et fais une roulade à l'arrière, tu vois, je peux juste faire ça. Oui, voilà. Parce que je sais, en fait, c'est déjà prévisible les roulades et je sais que tu vas le faire. Et c'est le principal problème des gens, c'est se déplacer avec des roulades. Et même moi, j'ai des mauvais réflexes, surtout en online, je vais pas te mentir à cause du lag. En online, des fois, t'as l'impression que la roulade va t'aider. Ce qu'il faut vraiment que t'entraînes à faire au début, en tout cas avec un perso comme Cloud, c'est trouver les combos. Alors, je crois que normalement dans Smash 4, son setup de base c'était attaquer en faisant son upper. En gros, c'était tu arrivais au sol, tu faisais un upper et ensuite tu pouvais enchaîner. Mais maintenant, la hitbox a été nerf. Oui. Et du coup, je connais pas Cloud pour. Il faut vraiment être collé. Ouais, voilà, faut être collé. Mais après, faut voir si tu peux setup quelque chose derrière. Après, le truc qu'il faut aussi apprendre, c'est le spacing. C'est là, tu vois, par exemple, t'es ici, disons que j'arrive vers le haut, tu vas être en shield. Vas-y, mets-toi en shield. Là, si je t'attaque, là, je suis puni. Là, instantanément, je suis puni parce que t'es en shield, tu grabes. Au moment où j'ai frappé, tu grabes. Et ça, c'est un truc qu'il faut apprendre. Oui, c'est... ça, par contre, j'ai du mal à savoir quand est-ce que je dois graber. Parce que des fois, tu me fonces dessus et je suis en mode, bah, j'ai juste à shield et te choper. Ce qu'il faudrait faire, c'est avancer prudemment, entre guillemets. Et le spacing, c'est aller faire des aérioles, mais sans te jeter littéralement sur le mec, comme ça, tu vois, parce que là, si t'étais en shield, bah, je me faisais punir. C'est aller chercher le mec, reculer un petit peu, rester hors de portée des shops. Alors après, face à certains persos, ça devient rapidement plus dur. Genre des persos comme Samus, des persos comme Link. Pas le nouveau Link in shop au corps à corps, mais cartoon. Qui vont aller choper de loin, tu vois, avec des grabs, etc. C'est vrai que c'est un peu plus complexe. Ou alors passer à travers et passer derrière lui, ce qui fait que tu peux pas être puni par in shop. Et c'est pour moi, c'est vraiment le plus dur. Mais moi, j'ai vraiment du mal à faire ce genre de choses. Allez, reprenons. Et là, quel match, mesdames et messieurs. Pas du tout. Alors ça, c'est le genre ça, de c'est coup cool, qui me casse les couilles. Tu vois, et ouais, j'ai du mal à comboter dans les airs aussi. Je sais pas ce que j'ai fait, mais juste casser les couilles, je pense. Ah, ça, c'est le coup de cheaté de Ridley. C'est impossible à placer, en vrai. Genre là, je te l'ai placé parce que je sais pas d'ailleurs comment j'ai fait. Mais... Ça, ce coup-là, avec Ridley, vous endort, en fait. Et du coup, t'es ciblé à l'eau sol, en fait. Tu pouvais rien faire. Attends, viens voir, bouge pas. Faut le charger. Vas-y, bouge plein de fois, essaye de sortir. Ah, si, tu te relèves direct. Ouais, mais non, tu peux tout de suite faire. Non, c'est pas ouf parce que regarde, tu vas refaire pareil, viens. Vas-y, essaye de bouger. Tu vois, ça pue la merde. Ce coup est à chier, il est trash tier. Parce qu'en gros, le fait de faire ça ne sert à rien. Parce que je peux pas te combo. Là, tout à l'heure, je t'ai touché parce que t'as pas réagi au sol, mais si tu bouges. En plus, t'as l'animation qui t'indique littéralement que oui, je te l'ai placé. Bah du coup, je peux pas, il y a pas de vrai setup derrière, donc je vois pas quel est l'intérêt de ce coup. Bah à part si t'arrives à le placer en chat, tu vois. Mais même. C'était bien tenté. Yes. Mais tu vois, j'ai du mal à me rendre compte de la hitbox et tout. À part mettre 60%. Après oui, j'ai pas fait gaffe au pourcentage, je ne sais pas du tout combien ça met. On m'a dit que c'était du flan à la manette GameCube. Non, mais la manette GameCube, c'est juste une question d'habitude en fait. Question d'habitude, hein, les gars. C'est pas, moi, par exemple, je joue au Pro Controller. Jamais que... on va vous conseiller telle manette, telle manette. C'est question de feeling. Si t'as jamais joué à un Smash et que tu commences au Pro Controller, bah joue au Pro Controller. Oui, voilà. Mais si t'étais habitué à jouer à la manette GameCube, c'est juste pour tes habitudes à toi. Moi, ce que je voulais essayer de setup un peu, c'est Pichu et Falco. Ouais, je restais sur Falco. Ouais, Cloud a pas une très très bonne recovery, hein. c'est pas faux. Ah non, ça c'est clair. Bah, c'est comme Fel Inferno ou Ike et les personnages. Par contre, regarde Falco, il y a, je sais pas si vous avez fait attention, mais Falco, le mirage, comme je sais pas si Fox le fait aussi, mais après le mirage, normalement ça s'est compté comme un coup recovery. Bah plus maintenant, je peux remonter. C'est-à-dire ? Bah normalement, quand avec Falco tu faisais ça, bah tu pouvais plus utiliser O et B. Ah et là tu peux. Là tu peux, donc c'est fumé, hein. Par contre ça c'est vraiment, vraiment très fort. Donc tu peux faire ton BO. Et ouais, ensuite, tomber slide, je peux faire ça. Tomber côté. Bon, déjà, ça me fait aller très loin, tu vois. Ouais. Et ensuite, je peux faire BO. Ah oui, d'accord. Donc, c'est fumé. Bon. Et puis, en plus, je me suis endormi avant l'émission. Enfin. Hugo, fatigué. J'ai fait dodo, donc je suis un peu dans les chaussons. Là. Mais moi, j'ai du mal avec les short pop. Tu vois, là, ta tech, c'était très bien parce que je t'ai pas touché du coup. Ça m'enlève aucun pourcent. De quoi? Quand je tech. Ah non, pourquoi c'est un... ouais, c'est pour savoir si la shop fait des damage ou quoi. Me dis pas que Rizzo il joue chez lui. Si Rizzo il joue chez lui,
C'est bon. Il va être déçu, hein. C'est sûr, c'est ça. C'est sûr et certain que c'est ça. Parce que avant l'émission, en fait, si vous voulez, j'ai reçu un Smash en double gracieusement envoyé par Nintendo. Et du coup, je lui ai dit, t'inquiète pas, je vais te le donner. Du coup, vu que moi, je l'ai acheté en avance. Et aujourd'hui, j'étais censé lui amener, sauf que bah, j'ai oublié. Parce que j'ai une petite tête. Et du coup, Rizzo, il m'a dit, et tu me le donnes ou pas? Enfin, gentiment. Hein. Non, il l'a même pas dit comme ça. Il m'a dit, je vais l'acheter du coup. Et je lui ai dit, bah non, je vais te le donner demain. Parce que demain, je l'oublierai pas. D'accord. Et du coup, pauvre Rizzo, bah. C'est dedans. Oui. Littéralement, j'ai kiffé. Tu peux expliquer ce que c'est ton babé pour ceux qui connaissent pas? Ah, c'est un shine. C'est, en gros, ce shine là, je le pousse et je renvoie les projectiles. Par exemple, bah vas-y, on va tester. Hop. Donc je renvoie. C'est que les projectiles? Que les projectiles. Les items aussi, hein. Tu m'envoies un item, je te le renvoie. Genre avec les objets, par exemple, si un mec t'envoie une Pokéball dessus, si tu la renvoies, la Pokéball t'appartient quand même. C'est ça. Tout marrant. Voilà, du coup, Risotto Show joue à Pokémon. Choqué. Il y a un autre perso qui me tente bien, que j'ai testé vite fait à la maison. Ouais. C'est Luigi. Après, c'est tout à fait différent de Cloud. Mais... Ah oui. Oh, bien joué ça. Ah, je pensais que ça. C'est pour une punir. Avec une chope. Oh, bien joué! Mais! Méchant, méchant! Ah, ça faut que j'arrête, tu vois. Bah, les dash attaques, ouais. Ah, bah là, je pouvais pas revenir hein, si je le faisais plus tard. Hein. Ok. Ça marche. En gros, il veut dire que si tu le fais sur le côté. Enfin, en étant en bas, ce sera plus safe. Parce que là, en retombant, je peux, en retombant ici, tu vois, là, je peux te punir à cette hauteur. Oui. Alors que si tu le fais ici, là, tu as chopé le edge et là, t'es invincible le temps de récupérer le. Ah, mais tu vois, ouais, c'est vraiment. Ouais, mais regarde, enfin, je suis désolé, mais la recovery du perso est à chier. Voilà, là, tu vois, t'es invincible pendant un petit peu de laps de temps. Allez, maintenant, j'en ai marre de parler. T'as vu ce que j'ai fait là? Oui, c'était insane. Un wave dash. Wave dash. Tu vois là, tu chopes pas le edge. Là, c'est puni. Mais laisse-moi respirer. Enfin. C'est pas ça que je voulais faire. Oh putain, là, je te ride et je punis pas. Ah ça envoie même ça? Mais c'est un projectile. Sorry guys! Après, ton perso est super rapide aussi. Un peu du mal avec ça. Ah si je saute trop... Enfin, j'ai l'impression de trop sauter. Ouais, c'est un no match là. Non. Si. Non ça va, tu fais des choses. Oui. Non, mais c'est vrai. C'est l'oignon quoi. Bien joué ça. Là, j'avais pas besoin de le faire le BO. Et O et B au sol, faut pas faire ça. Trop facilement punissable. Tu l'as fait dans le vide. Là, je voulais faire mon neutral, mais j'ai mis une direction. Voilà. Enfin, faut que je prenne un coup pour voir ce que tu vas faire pour réagir au bout d'un moment. Bien joué ça, Hugo. Mais putain, voilà, c'est ça le beau jeu en fait. Putain, mais il est ouf le mec. Mais quel connard. Non, mais c'est ça que je veux voir. C'est bien ça, c'est bien. D'accord. C'est bien mon petit Hugo, tu continues comme ça. Tu t'entraînes en recovery. Je vais prendre un perso qui est chiant pour un dab. Se revenir. Okay. Oui, Zidaber. Genre on va prendre, tu vois, genre Mars ou Lucina, que je ne sais absolument pas jouer, mais on va prendre ce genre de perso qui peut edgeguard de manière très chiante. C'est-à-dire que quand tu vas vouloir revenir, je vais essayer de t'empêcher. Alors moi je suis très nul en edgeguard, mais on va essayer de faire un effort. Genre avec Lou.
Ouais, Cloud. Comme ça, tu vas pouvoir t'entraîner. Parce que souvent, tu m'as dit, ouais, mais comment je fais pour contrer ça si tu veux Edge Guard, ce que je peux faire. Soit me frapper, soit faire une esquive et ensuite utiliser ton recovery. Alors, faut faire gaffe parce qu'il y a quand même du lag entre les deux. Ah putain. Ok. Bien joué ça. Putain, j'ai glissé chef. Ouais, c'est parce qu'on s'est chop tous les deux. Et donc maintenant c'est nouveau dans Smash Bros. Quand tu utilises la chop ou que tu m'as frappé, il y a une déchop dessus. Ok. Les mécaniques qui n'existaient pas, hein, si on chopait en même temps dans Smash Bros, c'était l'ordinateur décidait qui était le premier et basta. Tu vois. Et tu vois par exemple là j'ai fait mon shield, moi je l'ai fait peut-être trop tard je pense. Oui parce que sinon il serait placé. Ah et puis je suis con, je confonds. Je crois avec les autres persos que je jouais avant, donc c'est intéressant. Là tu vois en vrai j'aurais pu. Je t'ai pas puni mais t'as sauté tellement tôt dans ce que t'as fait. Ouais. Alors l'avantage que t'as avec Cloud par contre, c'est que tu vois, t'auras un autre perso. Là, ce que tu m'as fait, je l'aurais évité. Parce qu'en fait, là, j'ai fait un spot dodge, mais comme toi, t'es en triple hit, bah du coup, je l'ai pris. Mais en vrai, c'est quand tu fais trop de smash, c'est rapidement punissable. Après, bon, t'as Cloud. Tu vois, là, encore une fois, là, je suis en shield et je te chope et ça marche pas parce que, heureusement, ça fonctionne bien. Ah putain, merde. Ça, c'est con. Là, je peux tech quand tu me fais ça. Oui, mais ça, là, tu peux pas. Enfin. T'as tellement de délai, t'as pas tech à ce moment-là quoi. Ouh, je t'ai pas chopé là. Ah oui, et quand je veux te comboter dans les airs, c'est mieux de faire un. Avec A, t'es d'accord? Oui. Ok. Ah, mais y a un délai quand il le fait, c'est chiant. Ouh, oula, ça touche pas, bizarre. C'est pas ça que je voulais faire. Putain, et ce coup me pète les burnes, hein, vraiment. C'est que t'oublies qu'il y en a 5. Tu vois, et c'est parce que t'étais retourné, du coup t'étais déjà très loin, fallait bien attendre pour revenir, je pense. Jamais joué Cloud, je testerai un moment. On va voir si ça récorrerait si immonde que ça. Oh, bien joué le pari. C'est vraiment les multi-hits, c'est genre marrant. Ouais, c'est chiant. Hein. Oh, c'est bien vu ça. Ah! Trop drôle. Ouf! Ouais, ça suffira pas. Ah putain! Putain, maman, j'ai fait une roulade là. Putain! Ça me gave! Hugo qui est en full tryhard. Ah, c'est ton babé ça? Oui, c'est un contre. J'ai essayé le cross-up. Ah, c'est parce que t'étais en limite. Je l'ai fait là. Parce que j'avais ma limite. En fait, si vous voulez, mon perso Cloud, c'est un perso qui charge sa barre de limite. A chaque fois qu'elle est chargée, mon prochain coup spécial, donc à mon prochain B, est plus efficace tout simplement. Et du coup mon BO aussi et ça me permet de retake plus facilement. Enfin là c'est compliqué. Là, je pense que t'aurais dû, au moment où t'étais là, t'aurais dû faire une esquive diagonale. Parce que c'était sûr que j'allais te. Oui. Edward. L'esquive t'aurais fait remonter, t'aurais chopé le bord, t'étais suffisamment prêt. Ouais, voilà, c'est une des possibilités d'esquive. Ouais, ouais. Dans les airs, ça sert à ça avant tout. Juste pour un jeu, je pense pas que ce soit, on s'en fout. Avec un B côté, tu avais des chances de le stage spike. Mais c'est possible.
C'est quoi une tech? Une tech, c'est quand vous allez toucher le sol, vous allez vous faire frapper, vous allez toucher le sol. Qu'à montrer au pire. Hein. Et vous appuyez. Ouais, bah tiens, je vais prendre. Ce sera plus simple. Mais faut avoir des plateformes au-dessus de vous. Enfin, faut qu'il y ait un rebond, quoi. Pas forcément une plateforme au-dessus, faut retomber au sol en fait. T'es prêt? Donc voilà, là il vient de tech. C'est-à-dire au moment où il a touché le sol, il a fait le shield pour donc faire une roulade au sol et ça permettait justement de ne pas lui mettre un combo. Et en fait, si je fais neutral, bah, je reste devant lui. Oui, il se relève directement en fait. Ça si permet de tourner vers lui, pareil. Et tu peux le faire sur les murs, etc. Des wall tech, etc. Là j'ai raté. Non, mais là tu peux pas. Sur une shop, tu peux pas tech. Ah, c'était une shop? Ah, oui. Pardon. Fais attention. Bon, allez, on est parti. Je suis électrifié. Ouais, ça pique ça. Oh, il y a eu clash. Voilà, donc ça, c'est par exemple, c'était un coup que j'ai fait avec ma limite. Oh putain, je savais que t'allais faire ça et j'ai... Bien joué ça. Ah putain. Bon bien voilà, c'est ça les shops au lieu de faire des dash attaques. Ça c'est le Hugo que je connais. Donc là tu certifies qu'avec mon OA je peux te toucher quand tu me tombes dessus avec tes pieds. Oui. Ok. Ah, là tu m'as pas puni, là t'avais mis le shield, c'est parfait, j'avais pas space. Chopé. T'avais juste à me choper, tu t'es retourné, je sais pas trop pourquoi. Ah, parce que j'ai eu un mauvais réflexe. Tu peux devenir bon Hugo hein, sur ce jeu. Oui, bah comme tout, il suffit de se trade. Ça, je veux plus jamais le voir ce que tu viens de faire. Ça sert absolument à rien, t'étais vulnérable, j'étais au sol, je te plaisais. Le BO sur le stage? Oui, pue la merde. Surtout avec Cloud. Là, tu fais toujours la même chose. En fait, là, j'ai l'impression que t'avais peur du bord. En fait, t'aurais pu faire une roulade quand t'étais au sol ici. Tu pouvais faire une roulade de ce côté ou juste te relever normalement. Là, j'avais. Alors, t'as la chance que je loupe depuis perpète, mais là, t'as fait ta roulade, je pouvais juste te grab et puis je t'enchaînais encore. Tu vois. Là, c'est dommage en fait. Petites erreurs, mais c'est sur le coup, hein, c'est normal. Hein, fais pas toujours les bons choix, tu vois. Là, dash attack, c'est puni encore une fois. Je sais que tu vas venir. Ok. Là c'est très bien ce que t'as fait là. Parce que t'as reculé. Là tu punis mon agressivité en fait. Et c'est ce que j'aime en fait. Ça pue la merde. C'est vraiment à chier. C'est un bon moyen de mettre des dégâts. Non, c'est de la merde. Voilà. Dégage. C'est comme si moi quand je voulais t'attaquer dans les arbres, je faisais. Et là je peux plus rien faire, je suis une merde. Bon, je vais pas te laisser faire ta limite mais... Ah oui, bah oui, si tu me le fais à HL, ça marche. Ah, ça te permet d'aller plus haut. Ah putain, je me fais avoir sur le même truc. Oh, je t'ai pas touché le pied là? Non. C'est bien ça, Hugo! Ça, c'est mieux. Et là, je t'ai ride. Tu fais tout le temps ça. Eh ben oui. Là, j'ai compris. En fait, c'est aussi le problème quand tu joues beaucoup avec un clan. Au bout d'un moment, tu sais ce qu'il fait. Et là, soit. Là, t'as changé. Soit. Généralement, tu fais une spot dodge. C'est-à-dire, tu fais une esquive au sol quand tu fais ta limite. Je fais ça? Non, tu fais une esquive au sol. Tu fais ça quand tu fais ta limite. Quand j'arrive, tu fais. Voilà. Voilà, là, tu m'as surpris. Mais pas suffisamment. Voilà, là, erreur de ta part encore une fois. Bon, t'étais suffisamment dans les arbres, mais au sol, je t'aurais chopé directement. Et ça, c'est terrible. Putain. Oh, ça touche. Très beau, c'est magnifique. Mais ça, c'est belle. Roulade derrière. Mais qu'est-ce que... Je vais devoir t'insulter, en fait. Yes, j'ai gagné. Pas du tout. C'est très bien. Alors, Hugo, joue au contrôleur pro. Et je trouve déjà que tu t'es amélioré. Ah bon? Oui, vraiment, c'est pas une blague. Je no troll rien. Tu fais plus de dash dance, tu fais moins de roulade. Alors déjà que t'en faisais pas beaucoup. Mais il faut que tu corriges tes défauts, à savoir quand je vais de combo, etc. et que tu vas revenir au-dessus. Bah maintenant j'ai compris que dès que t'arrivais vers le sol, tu faisais un air dodge pour. J'ai juste à courir, te grab en fait. Parce que tu pourras rien faire, t'as un petit temps de délai. Mais t'as juste à attendre le bon moment pour me grab. C'est ça.
Je vais jouer un peu King Karul pour voir comment tu réagis face au projectile et à la Karul, j'aime bien aussi ça. C'est un bon perso, hein, Karul, je pense qu'il il est. C'est quoi il... la technique safe pour revenir au sol sans se faire punir? Question intéressante. Bah, tout dépend des situations. Généralement, quand un mec va être guard ici, vous allez essayer de revenir dans ce jeu, en tout cas, comme ça. Par le bas, pourquoi? Parce que c'est au moment où vous allez choper le ledge. Bon, là, c'est pas le cas, mais là, au moment où vous allez choper l'edge. Ah oui, mais non. En gros, faut retenir au moment que... où vous chopez l'edge, vous êtes invincible. Le mec ne peut pas vous toucher, en fait. Alors maintenant, je crois que ça a été corrigé. Là, je suis remonté en haut. Là, voilà, quand je clignote, je suis invincible. Là, à ce moment-là, je suis invincible, tu peux pas me toucher. Mais j'ai l'impression que si on abuse de ça, si je fais ça, là, tu vois, je suis pas invincible. Viens voir d'ailleurs. Fais des tilt bas. Tilt bas. Ah, on est d'accord, on peut plus là, voilà. Là, par exemple, là, je suis Ok, bon, ça a bien changé. Bah, faut garder à l'esprit de toute façon que dès que. Attends, je voulais montrer un truc. Attends. Que si tu remontes ici, par exemple, enfin. Si tu donnes une vision sur la ligne horizontale, t'es vulnérable, donc c'est pas intéressant. Alors, du coup, il faut plus retake comme ça, ouais. Pas comme ça, mais retake sur le côté, quoi. Oui. Dessous. Après, il y a aussi souvent quand le mec va garder, si vous avez des persos qui ont des B-side intéressants, vous pouvez essayer de remonter par le plus haut, mais il faut que vous retombiez très très vite avec du fast fall et en espérant que l'adversaire ne follow up pas. Enfin, il y a plein de manières en fait de revenir, c'est juste qu'il faut s'adapter en fonction de la situation, et c'est le plus dur, selon moi. Oui, c'est vrai que ça passe à travers ça. Oui. C'est super chiant ça. C'est pas ça que je voulais faire. Là, c'est... tu peux pas placer ça en pensant que je vais vraiment le prendre, tu vois. Surtout que j'ai fait un saut. Voilà! Putain, j'ai cru que t'allais faire une putain de dash attack, j'allais t'insulter ta mère. Bien joué, ça t'avait fait un pari. Un pari osé, si je peux me permettre. Oh. Non mais ça va te permettre justement de revenir. Mais non, non si là, tu me tombes dessus. Non mais c'est parce que j'allais te voir, tu vois, là t'avais des possibilités, mais... Ah, le vent m'a poussé. C'est bien ça. Qu'est-ce qu'il faisait? Je faisais ma limite. Oui, mais bon, je t'ai regardé en fait. Voilà! Des aériales! Putain! Ça, c'est l'Hugo que je connais. Bon, ce qui est, c'est quoi qui fait ça? C'est mon armure. Genre, je pense que Karul est. Non, c'est juste le perso. Tu m'as frappé et je t'ai frappé en même temps. En gros, maintenant, quand deux persos se frappent en même temps, il y a une armure. Ah. Et Karul, il a une armure sur quasiment tous ses coups. C'est pour ça qu'il est fort. Ok, d'accord, je savais pas. Hop, je remets ma couronne. Voilà, Hugo. Voilà! Putain, ça, qu'est-ce que j'aime voir ça! Putain, c'est beau ce que tu fais. Ouais, c'est vrai, hein, c'est vrai, là, tu me malmènes. Allez, ça me saoule. J'ai plus de couronne. Ma couronne! Au secours! Elle revient après? À l'aide, hurlage, oui. Oh on joue vraiment par contre. Okay. Ah mais merde, j'ai rappuyé sur B. Ça faut que j'oublie, faut pas que je le fasse. Vas-y, on va refaire le match-up. Si je spam mon B au B, ça marche pas. Hugo pourra jouer Pete après, alors il va juste se concentrer sur un seul perso. Non, mais c'est pas. Et moi je ne joue absolument pas Pete. Donc je suis désolé, je pourrais rien te montrer avec. Il va en sans... Pourquoi il... Bah oui, c'est ça Panda. C'est juste que Cloud, en fait, c'est celui... En fait, j'aimais bien Ike au début, mais trop lent. J'aimais bien Fel Inferno, mais recovery de merde. Merde, ouais. Et Cloud, j'aime bien. Franchement, train un perso, j'aime bien Ridley, c'est Cloud. Et t'essayes de voir ce que tu peux faire avec. Regardez le match-up avec Ganon. En plus, l'avantage que t'as, entre guillemets, sur le training, là, c'est que je joue que des persos gros, donc ça va t'entraîner, oui, à toucher souvent pour avoir des combos. Heureusement que je joue pas un Pichu ou un truc comme ça, c'est un super. Ouais, Pichu c'est chiant. Alors, on a bien vu avec Xav tout à l'heure. Oui. Ah, j'étais pas puni là, j'aurais pu. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Il frime trop, David de la, oui, régie. Alors qu'il a juste perdu contre moi. Je suis naze.
Tu vois là, si j'ai... En fait, le mec qui demandait tout à l'heure si j'étais revenu en faisant un arc là, il aurait pu me punir. Du coup là, je suis allé sous le stage pour revenir plus facilement. Et là, j'ai parié. Bah là, par contre, je pouvais plus rien faire. Je pouvais plus rien faire. Dans Hitstun aussi longtemps. Je pouvais plus sauter. Oh là, pourquoi je fais rien? T'aurais pu me punir 15 fois. Ouais, j'ai du mal avec l'essence. Mon stick, je crois qu'il est pas en sensibilité faible. Arrêtez non plus. Je pensais pas que t'allais remonter là. Mais... Oh merci. En vrai, tu m'as sauvé la vie, j'étais mort. Ah ouais? Oui. Ah, faudrait que j'utilise plus ces smash avec un an par contre, parce que comme ils sont lents, il y a moyen de dealer ces trucs. Bien joué. Bah, ça par contre, c'est chiant. Ah putain, je pensais pas que t'allais me faire ça. Et là, j'ai appuyé sur B. Ça, c'est une erreur à ne pas faire. Hein. Ce qu'il y a, c'est que tu spam des coups pour pas tomber, donc tu stresses. Oh là là, le gige. Tu vois, par exemple, ton truc prévaut sur le mien. Non, c'est que, en gros, si tu veux, la hitbox, ça fonctionne comment? Moi, je suis Ganon, toi, t'es Cloud. Quand t'arrives ici, que tu vas faire ton OB, en fait, tu montes au niveau de mes doigts, ta hitbox va monter comme ça. Mais moi, en fait, si tu veux, comme je suis dans les airs et que je vais faire mon DER, en fait, j'arrive forcément dessus. Donc, ton coup, il n'est pas au-dessus de moi, il n'est pas sur moi. Mmh. Et en fait, comme je te touche avant, même pendant ta hitbox, ça fonctionne. Ok. C'est juste pour ça. Mais c'est un truc à bien placer. Là, je l'étais bien au-dessus. Si j'avais été sur le. Si j'avais fait ça sur le côté et que toi, t'arrivais par là, tu remontais là, tu me touchais et ça passait pas, tu vois. Ça ne voit rien, c'est déplacement, etc. Ouais, c'est vraiment une histoire d'Xbox. De Xbox 360 en fait. Max Bax. Tu as aimé Ike, pourquoi pas jouer Chrome? Très différent, Ike et Chrome. Je préfère largement Ike, mais. Enfin, je préfère. C'est moins fort, je pense, Ike, mais. Ah putain. Eh ben oui. En fait son bas à Ike est pas ouf, tu vois, au niveau de la hitbox. À Ike. À Cloud. Ah, j'avais pas vu que j'avais à la limite. Je pouvais plus sauter. Encore? Ouais. Normal. Ça, je t'ai pas. C'est pas ce que je voulais faire, mais. J'ai eu de la chance. Oh putain! Viens me chercher un peu aussi. Tu viens jamais me chercher quand tu m'éjectes. Bah parce que j'ai peur de tomber. Ouais, mais faut que tu enlèves cette peur. Vaut mieux que tu perdes maintenant que. Ah. Bah là, tu vois, c'est bien parce que d'habitude, t'aurais fait un air dodge. Et là, t'as attaqué. Okay. Du coup, tu vois, j'ai attendu pour dealer. Je me dis, bah, je te touche facilement. Donc, au final, tu m'as attaqué. Bon, j'ai réussi à placer le truc après, mais dans l'idée, c'est bien. Tu t'adaptes. Ok. Là, voilà, c'est ça, t'es bien entendu, qu'est-ce que tu veux? J'ai raté. C'est une question d'habitude, hein. Les techs après tu les mouperas plus jamais. C'est vraiment pas dur. Bah, j'ai dit aïe là. C'est gamin. Ah, je vais dedans en plus, c'est genre. Là, prévisible. Voilà! Là, tu réussis pas encore à cette tech pour que je te fasse la tech chase. C'est quoi la tech chase? Bah c'est en gros, je prédis ta tech et du coup, je refais un grab dessus. Au moment où tu te relèves, t'es obligé de le faire. Tu vois? Là, tu vois, t'as tech et en fait, j'aurais pu refaire B-side et tout. Ah, j'étais pas sûr que tu la réussisses. Voilà.
je peux pas choper. C'est complexe. C'est chiant. Hein. C'est complexe. C'est super dur. C'est très bien. Là, franchement, Hugo, je trouve que t'as bien step up, t'as compris des choses basiques. Faut que tu t'entraînes, on va dire, à revenir sur le terrain de manière fluide, efficace, sans être trop prévisible, etc. En plus, je joue un perso, moi, qui a pas une très bonne recovery. Ouais, Valendorf. Ça a pas une bonne recovery, et tu vois que j'arrive la plupart du temps. C'est rare que tu m'out terrain, tu vois. Donc, c'est out terrain, je sors des termes un peu qui n'existent pas. Out terrain. J'étais out terrain, quoi. Il a level up comme l'émission, lol, vous êtes tellement drôle. Oh, c'est que je veux... ouais, mais je sais pas ce que je voulais faire. Là, c'est que vu que ça met longtemps à venir ce truc à la con. Putain mec, t'es juste merci. Ah putain, j'avais oublié que tu prenais le si. Ouais, mais ça c'est une mécanique que... En gros, quand on est deux dessus, il y en a un qui se fait éjecter. C'est juste que ça t'a surpris, je pense, parce que t'es pas habitué. C'est bien ça. C'est bien. Là, c'est le vent qui t'a. Ouais, qui m'a poussé. Ça, je vais plus jamais le voir, je te l'ai dit. C'est vrai. Pardon, maître. Ah c'est bien, d'habitude t'aurais roulé sur moi, putain, je suis trop fier de toi. Enfin. C'est vrai hein, tu fais moins de bêtises. Là tu le fais. Ouais mais parce que t'étais pas habitué. T'es habitué à aller dans ouais, le. Ouais, il y avait un des côté. Deux. Mais en fait là ton. Le, de toute façon, t'as une chance sur trois. Non mais au niveau du jeu, j'étais, je pense, assez rapide pour réagir, peu importe celui que tu fais. Maintenant que je sais tes possibilités, c'est juste des fois je peux aller plus vite si je m'attends vraiment à une, t'as rappelé sur B, t'es con. Donc voilà. Mais c'est bien. Ah ouais. Ça, j'ai envie vraiment de t'enculer en fait quand tu fais ça, hein. Tu te rends pas compte. Hein. J'ai envie de te faire du mal physique. Quoi. Ouais, putain, faut que t'avais un autre son en plus. Là, t'as fait ça. Ouais, ouais, t'avais encore un autre son. Oui, forcément. Si je saute, bah oui. Oui, oui. Voilà! J'ai pas pu t'exchaser. Putain, et là, la dash dance quoi, mais incroyable le joueur. Tu vois, là, j'ai pas pu. T'as prévalu parce que tu l'as fait au bon moment. Et voilà. Et du coup, t'as une meilleure. Arrivé au bon moment. Bah, surtout, t'as une meilleure portée. Bon, là, c'était peut-être pas le choix le plus judicieux que j'ai fait, mais. Ouais, sur place. J'ai tech sur place. Et quand tu tech sur place, je peux placer le combo. Il faut vraiment que t'ailles sur un côté. Après, des fois, tu peux essayer de me brain. Oui, d'accord. Super. C'est dur, hein. C'est parfait. Du chat, vous avez des petits conseils pour Hugo, même pour moi, parce que je suis clairement naze sur le jeu. C'est un débutant, hein, J. Ouais, je suis pas un débutant, mais je suis clairement pas fort. Qui m'a appelé? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est peut-être Emmanuel qui m'a volé mes sandwichs. Hein, on peut le dire. Je vais reprendre Clou. Allez, Clou. Clou qui est joué encore une fois. Pichu, oh non. Horrible, oh, Pichu. Non, utiliser plus le neutral air de Cloud. Oui, tu me dis. C'est jamais. Quoi, c'est. Ça? Ouais, ça touche au tout. Ok. Je vais le tester immédiatement. Oh, bien joué, putain, mais ça c'est beau. Ça c'est chiant. Horreur des persos comme ça. Ah, mais j'avais oublié que j'avais plus de saut, putain. Supportable. C'est chiant qu'il ait pas de recovery, putain. Ouais, mais même, j'aurais pas pu remonter là. Si, si. Ah bon? Et ton deuxième saut. À ce point là? Ok, ça marche. Ah putain, je pensais que t'allais faire ton truc. Oh non! Je me suis trompé de touche. Quel con. Au pire, mets plus de vie, hein, Gige. Hein, parce que là. Ah oui, c'est vrai, parce que 4 vies à chaque fois, c'est pas. C'est pas beaucoup. Là, en effet, le neutral, il peut être bien.
toujours la même chose en fait quand je viens vers toi. Oh bien joué. J'ai pas vu venir celle-là. Et oui, Z-Shop. Ah bâtard, c'est chiant ça. Eh oui, c'est la spéciale en fait. T'as qu'à mettre Divi. Divi, allez. Et bien dans ce jeu. Plutôt ton smash bas au lieu du côté. D'accord. Lucina, je pense qu'elle sera au okay tiers en fait. Pardon. Les épéistes m'ont l'air pas mal. J'ai joué Ike, tiens. Dans Brawl, j'aimais beaucoup. Il y a Olimar aussi. Olimar, en fait. Oh, Olimar est chiant. Oui, je vais pas le jouer. Mais Olimar, en fait, ce que j'aimais bien avec ce perso dans Brawl, c'était la. En fait, il avait un gros défaut, pardon, dans Brawl, Olimar. C'était sa recovery. Parce que, et qui en même temps, moi j'aimais beaucoup. En fait, sa recovery, c'était. Tu pouvais déjà avoir 7 Pikmin, non pas 3 là, merde. Ce qui donnait beaucoup plus de possibilités et tu pouvais réfléchir plus. Le problème de sa recovery, c'était pas celle où tes Pikmin montent et voilà. C'était. Il faisait un grab avec ses Pikmin et là, il chopait le edge. Le problème, le problème de ce grab là, c'est que si un mec était sur le edge, ça ne marchait pas. C'est genre, ça faisait ça et il se passait rien. En gros, tu touchais le mec, soit il était invincible et tu t'accrochais pas. Soit tu le touchais, mais le mec s'en battait, s'en battait les couilles, il remontait. Tu vois. Donc c'était le souci d'Olimar à ce moment-là. Du coup, j'ai dit que j'allais jouer quoi ? Olimar et quoi ? Je sais plus. Olimar et. Ike. Et alors Ike, c'est un truc que j'aimais beaucoup aussi. Bowser Junior, ouais Bowser Junior au début Smash 4 je voulais le jouer, en fait c'est un perso trash tier. J'aime pas trop, au final j'aime pas trop son gameplay. Quoi. Ah par contre là j'ai fait avant gros. Ah oui c'est vrai qu'il a ça. Putain mais j'ai du mal à... Il est flotty Hein ? Il est flotty comme perso. C'est-à-dire ? Il vole. Ah là là là, là insupportable. Ah oh, putain, et là je chope pas, j'ai fait un smash, pourquoi ? Du coup attends, il y a quelqu'un qui m'a conseillé un truc. Qu'est-ce qu'il m'a dit déjà ? Attends, je veux juste tenter. Putain, le perso vole vraiment en fait, c'est insupportable. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il va faire ? Ah, j'ai ça aussi. C'est un flash attack ? C'est quoi ? Mon bas A. Ah, c'est un tilt A. Ça, je le fais avant, c'est chiant. C'est dur, hein. Il est 23 ans. Déjà ? Ah, vache. J'ai 3 games, j'ai l'impression. Ah, mais ce qu'il y a, c'est que vu que vous avez débordé un peu. Ouais. Écoute, David, on va juste continuer jusqu'à minuit en fait. Fais ce match là et puis ça va pas durer trop longtemps. Non, tu vas juste rester. Ah, j'oublie ça. Et du coup, je peux toucher en dessous aussi. Ah oui, d'accord. Oui. Regarde, moi je touche derrière avec le neutral, t'as vu ? Ok, ok. Ah, il y a des mécaniques que je connais pas encore avec le perso. Donc... Oh. J'aime bien parce que Cloud il va vite, mais sans être trop rapide, justement. Allez, c'est parti. Oh genre! Oui, ça t'a porté. Quel beat! Oh, je suis con. Oui, on t'avait 100%, c'était bon. Est-ce que le combo? Ouais. C'est 25% gratuit, ça. Oh, et la hitbox là de mon zizi au sol! Je chope pas assez aussi.
bien joué ça. J'ai pas le timing hein, pour le neutral dans les airs. C'est chiant hein. Super chiant. Tu sais que tu vas remonter comme ça donc. Bah oui. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus là? Vas-y, appuie sur R. Remets-toi au bord. Remets-toi dans le bord. Appuie sur R. Ça. Ah, bah je savais pas quoi. Remets-toi dans le bord. Saute. Ouais. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Après, si tu fais aucun effort. Écoute, gros, faut me donner les touches au bout d'un moment. Tu seras un mauvais père, J. Ah bon? Oui. À cause de ça. Super. Selon Sardoche aussi. Je vais prévenir ma fille. Non mais gros, au bout d'un moment, il fait le ménage dans les manifs là, c'est un CRS. Macron, démission. Gilet jaune, hein. Tu peux nous mettre Coxy gilet jaune si tu veux. Merci. Oh, j'ai juste à faire ça. Je vois. Mais quel bâtard avec ça là. Supportable. Parce que c'était prévisible, hein. C'est vraiment une attaque que personne n'utilise. Hein. De quoi? Le con. Parce que pas personne, mais c'est très peu utilisant. Ouais, ça peut servir quand même. C'est utilisé pour edge guard sur des moves où le mec est obligé de te toucher entre guillemets, tu vois. Oh, bien vu ça. Oh putain. J'ai du mal à suivre le mouvement quand même. Hein. Ah, tu fais toujours la même chose, j'ai envie de t'enculer. Eh oui. Là, j'ai fait mon saut, ça a pas marché. Oh, t'aurais tellement pu venir, vas-y. Hop là. J'ai pas de ta lecture de jeu, J. Ah oui, merde. Ah, c'est vrai. Je comprends, David. Magnifique. Ok, t'es prêt? Wouh! Je rentre en folie! Hop! Putain, je vais te faire une dinguerie là! Wow! On est pas high que nous! Wow! Mais gros, je saute! Hop! Là, j'ai juste esquivé en fait. Sors les gars! C'est insupportable! Ok. Oh, j'ai changé! Oui! J'ai changé! Oh, insane! Okay. Mais putain! J'ai chié là! Ah bon, ta gueule. Hop. Oh, je suis fini au doigt là, ça y est. Oh, t'as pas réussi. Merde. Putain, ça va loin. Oui. Hop. Oh là là, mais. Non, c'est je suis juste monstrueux sur ce jeu, en fait, je comprends pas pourquoi les équipes e-sportives m'appellent pas! Corsair à l'aide! Trop cool. Tout à l'heure, j'ai regardé les top 10, moments top 10 de rage contre Ice Climbers. Ah oui? Et c'est Nintendo. Nintendo Dude, il est insupportable et personne veut lui serrer la main. Ouais, non, drôle. C'est surtout. Comment il s'appelle DP. DP, la DEP. La DEP. Il veut jamais lui serrer la main. C'est vrai que la DEP est vénère avec lui. Bon, bah, ce fut rapide mais intense. J'ai passé messieurs. Un bon moment, mais tu t'es vraiment amélioré. Bah, ça me fait plaisir. Bon, pendant que Jiraya est en train de mourir, on va vous laisser, mesdames et messieurs. Moi, je vais continuer de faire un don sur le Téléthon. Ouais. C'est une bonne soirée. Je sais pas qui est-ce qui est après. Personne, je pense. Bon, ok. Bah, merci à personne qui reprend la télé. Je sais pas du tout, en vrai, 23h, c'est vrai. Okay, on n'en sait rien. On s'embrasse, on se dit à demain. N'oubliez pas, demain 20h, le grand quiz The Return avec Hugo qui m'a dit qu'il allait tous les déchirer. Oui. Sachant que son thème, c'est... Modern Family. Non, le sperme. On se retrouve demain. Bonne soirée à tous. Mon sperme et je l'ai. Ciao. Yes.